Une vidéo amateur montre plusieurs morts ou blessés après que les forces de sécurité syriennes eurent ouvert le feu sur des manifestants à Deraa. Des manifestants pro et anti-Kadhafi se bousculent près du Caire à la conférence de la Ligue arabe sur la Libye. La police en Ouganda a usé de grenades lacrymogènes pour empêcher le leader de l'opposition Kizza Besigye et ses militants de manifester contre l'augmentation des prix du carburant. Les responsables de la centrale nucléaire japonaise de Fukushima déplacent des équipements sur les hauteurs suite à une série de répliques sismiques. Des ecclésiastiques nigérians annoncent qu'une marginalisation du Nord par un gouvernement dirigé par un sudiste pourrait faire le jeu de l'islam radical dans la région.